Attention, ce programme contient une dose de sel, de second degré, de sarcasme, de mauvaise foi et d'insultes nettement supérieures à la normale. Son visionnage requiert une ouverture d'esprit aussi grande que le trou de balle de la mère à 6-4. On n'a toujours pas changé l'intro, quoi. Oh non, mais non, ça parle du trou de balle de Madaron et tout va bien. Oh non, mais commence pas, franchement. Je n'ai pas dormi une minute cette nuit, ok? Mais non, mais mon cerveau était en ébullition. Je voyais des clutches, je voyais des trucs. Impossible de fermer les yeux, quoi. Ouais, non, mais je m'en fous, mais cette intro, va falloir qu'elle dégage, quoi. Hein, franchement, déjà, il y a beaucoup trop de trucs. Déjà, on voit encore un frag que j'ai fait il y a 10 ans, quoi. Comme si ma carrière de pro, c'était juste un clutch. Oh, ça va ou quoi? Et l'autre, en revanche, pour se mettre en avant, là, t'inquiète qu'il est là, quoi. Franchement, quand on regarde l'intro, on a l'impression qu'en fait c'est moi le pimpin et c'est lui le champion du monde. Puis ma mère, laissez là où elle est, la pauvre. Son trou de balle, bah avec elle. Non, mais je serais pas étonné, de toute façon, que dès qu'on va aller le rejoindre, il va nous dire « Non mais t'inquiète, aujourd'hui je vais tryhard parce qu'il est toujours comme ça. Et puis il va nous dire un truc, dans la même phrase, il va nous dire deux trucs qui sont antinomiques. Il va nous dire un truc du genre « T'inquiète, je vais tryhard aujourd'hui. » Premier élément de la phrase. Deuxième élément de la phrase. En plus là, j'ai vraiment trouvé une bonne sensi qui me correspond. on a l'impression qu'il va faire des courses pour acheter un t-shirt. Ah oh, si, celui-là il me va bien et tout. Il est con putain, il faut qu'il comprenne qu'il faut pas changer en fait quoi. Il va encore nous faire un TKT. Mec, on a même fait une IMO de TKT, tellement qu'il va général cul des TKT, quoi. Salut les Mongols! Comment ça va sur le campus de la Salty Academy? C'est le mec qui vient d'arriver sur le campus, il dit c'est qui ce connard? C'est comme ça qu'on s'accueille un peu ici. Hein, voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée. Rentrez, je sais, il pleut, vous allez me faire chier. Comme d'hab, il pleut dehors, on a froid. Alright, I've got to show you guys. I'm being pretty. Ok, and me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Ah non, mais bon, c'est un enfant, quoi. Ah, c'est vrai, c'est vraiment un enfant. Il joue très bien quand il veut. Il a un très bon game sense. Et... Ouais. Ok, premier truc que tu peux faire. T'as envie de faire des kills ou t'as envie de faire le show? Ah non, j'ai envie de gagner, en fait. Ok, je vais te dire. À chaque début de round, regarde où est-ce qu'il n'y a personne. Et va te planquer comme une pute à l'endroit où il n'y a personne de l'autre côté, quoi. Donc là, il n'y a personne ici. Voilà, tu peux prendre ici. Bah, tu peux prendre... La longue, là. Par exemple, c'est l'un des endroits les plus difficiles. Faut mettre un headshot de vraiment loin, quoi. Mets-toi ici, là. Un début de round, c'est bon, tu vois. Tu prends la double porte. Si y a un mec qui sort, tu lui dégommes la rondelle. Voilà, premier kill. Nickel. Tranquille. Ça push derrière. Ça, c'est l'autre information. Regarde où il est mort, d'autre porte. J'en ai un autre. Non, mais ça push derrière. Ok. Voilà, je fais le kill derrière. Moi, c'est un free kill que je viens de faire là. Pas un kill difficile, hein, c'est un free kill. Il va pusher middle, notre pote. Viens, on va aller middle. À droite, tu l'as vu. Info ? Il est sur la gauche. Là, en face de toi. Il était en face de toi. Ouais, je sais, mais j'ai une arme de merde. Dommage, ça ressemblait à quelque chose. Tu fais un kill, un assist. C'est parfait, mec. Ouais, mais j'aurais pu faire un deuxième kill. Non, t'as pas fait d'assist, mais. Okay. Ouais, mais le gun round, c'est pas le truc le plus facile. Voilà, c'est ça que je veux. Plan, va récupérer l'arme. Non. Ah oui, merde. Non. L'autre, il était respawn, c'était. Non, je vois pas pourquoi est-ce que tu t'es mis en mode frag movie. Tu t'es mis en mode gamin de 15 ans qui a trop regardé de vidéos de highlight. Non, tu viens de faire un kill pute. Le mec, il sait où t'es, hein. Tu fais ta pute, tu te casses en courant, tu lui dis bah vas-y, viens me chercher. Dans ce jeu, c'est comme ça. T'as pas l'avantage de l'arme? Bon bah d'accord, bah faut avoir l'avantage du brain, en fait. C'est juste ça, quoi. Autrement, le premier kill était bien. Oh, les heures, les 30 minutes de non-sommeil. Je sens que ça va être la journée des timings. Derrière toi, ne bruite pas. T'as plus de balles.
Ça fait chier, ça fait vraiment chier. Parce qu'en plus, je veux trigger contrôle sur le mec à gauche. Je veux pas me prendre la tête, je veux pas me frustrer. Pourquoi on est 6? Why are we 6 players, guys? Oui, j'avoue. Get the fuck out of our game. J'avoue, on est 6. Dans le mille. Yo, Diablo. Plus que 30 secondes. Qu'un ennemi. Mon ultime est prêt. Ok, l'autre qui était AFK, quoi. Je sais exactement où vous êtes. T'es prêt? Regarde le skill à les zappeurs. Vas-y, je regarde. Fais-moi rêver. En vie. Et voilà. C'était pas mal. Il gagne pas. Ah, de toute façon, c'était soit il gagnait, soit il prenait la roquette, soit il se passait ça, quoi. Cherche. Mais t'es con, toi, mais t'es vraiment trop con, mec, là. No one see. Elle a tiré pour se barrer, je pense. Je vais partir du principe qu'il se barre en A, poulet. Ok. Donc t'es tout seul. Ok, fini de rigoler. Dernier joueur en vie. Plus que 10 secondes. 2, 1. Spike posé. Aucun ennemi. Mon ennemi est prêt. C'est l'heure des feux d'artifice. Ah, un monstre. Et là, je meurs en fait. Ouais. Là, tu meurs comme une merde. Ça. Tu fais le club de ouf. Bien, Mary. Le mur là-dessus. Le mur sur le truc derrière toi. Derrière toi. Là, voilà. Bloque ça. Non, ah, il me le fait. C'est pas grave, c'est très bien joué. Nice. Heal-toi. Clique droit. A, clique droit. Voilà, prends ton temps. Ne dis pas A parce que. Excuse-moi, mais c'est marqué A en bas pour moi. Écoute maintenant. Hyper bien joué. C'était hyper bien joué. Le mur, en revanche, colle-le comme une vieille pute. Fais-toi une safe zone. Prends-toi le temps dans la précipitation. Mais c'était très bien joué. Après, t'aurais mis le mur de l'autre côté, c'est pas très grave. Mais faut que tu isoles un endroit pour casser l'exécution, en fait. C'est pour splitter l'exécution. Eux, ils ont envie d'attaquer à deux endroits différents. Excuse-moi. Et toi, tu empêches le fait qu'ils puissent attaquer à deux endroits différents. Ça évite aussi de me battre. Y'a personne. Pense à ça. Ok. C'est en A. Plus qu'un ennemi. Tu vois, on a backup bien là. C'était parfait. Ils étaient là, c'était hyper beau, hyper propre. Nickel. Faut pas chercher à comprendre quoi. Hein. J'ai décalé le middle, j'ai mis la tête sur le mec. J'imagine que celui qui est middle, c'est celui qui lock. J'imagine direct qu'ils sont tous en A. J'entends deux gars qui tapent. J'entends deux styles d'armes différentes. Derrière, je me dis, c'est bon, c'est du full A. On y va ensemble quoi. Au pire, c'est pas grave. On reste ensemble et on fait ce qu'on appelle autrement un retake. C'est-à-dire, imagine, nous bait. Et il y a un mec qui plante en C tout seul. C'est pas grave. On revient et à 3, on le défonce en fait. On a le temps hein, de faire toute la map quoi. J'ai personne en C. Ça doit être middle. Nice, t'es un monstre. Ouais, c'était... Excuse-moi, j'ai pas dit, mais il y avait double porte. C'était double porte. Je viens t'aider. Double porte. Ma flash. Il a pris ma grenade, t'inquiète. T'as fait un call de ouf. Je bloque la double d'or. Nice, mais il était tout seul. Ouais, ça c'est pas très grave. Ton A, ou enfin, le mur là, tu peux le récupérer à tous les... Non, tu le récupères pas à tous les rondes, donc fais gaffe à ça quand même. C'est celui que t'es obligé d'acheter. Faut avoir une logique d'écho quoi. Tu peux pas récupérer ton mur alors qu'un cypher peut récupérer ses trappes par exemple, ce qui est intéressant quoi. Et l'économie du jeu est importante. Après bon, ça c'est le deuxième effet qui se coule quoi. D'abord savoir tirer et puis après on commencera à, voilà quoi. D'abord savoir conduire et après on commence à discuter de l'autoradio, mais bon. One on B. I don't know about the other one. Dernier joueur en vie. Qu'un ennemi. T'es prêt? Regarde le pré-shot de l'année. Game sense. Il a dû voir un énorme truc lui arriver dans la gueule.
Cherche. Ça m'aide. Il va tirer là-dessus. Tranquille, tu es bien. Pouh, le bait. Mort. Deuxième, putain, pourquoi j'ai pas gardé la ligne? He's on A. Je pense qu'après la hype, le jeu aura moins, il y aura moins de monde. C'est pas une question de hype. Le jeu va faire un tri naturel en fait. Il va faire un tri naturel en se rendant compte que tous ceux qui pensent pouvoir jouer dessus, il est très exigeant ce jeu. Si t'aimes Counter-Strike, ça va. Si t'aimes pas CS, le jeu en lui-même va en rebuter. Mais crée un énorme noob. Quoi? J'ai balancé le C4 qui bump sur sa gueule pendant qu'il diffusait. Du coup, il l'a eu à une seconde, tu sais, de la fin, tu vois ce que je veux dire? Ça te le bump et ça le reset en fait. C'est vraiment un truc de bâtard. This is not okay. This needs to stop now. Okay.